Donc on reprend ensemble la vidéo pour montrer notre plat une fois terminé. Voilà, donc pour montrer notre plat une fois terminé, on va regarder ça. Tout est super. Voilà, juste ici. Regardez, on a tout. Tout est parfait. On va le poser juste comme ça. Tu peux dire, c'est quoi encore? Alors voilà, on a les petites gaufres de patates douces au curcuma, juste ici. Vous avez vu qu'on a fait à la poêle. Petite gaufre de curcuma, juste ici à la poêle. Ici, on a également notre curry, chicken curry, donc curry de cuisse de poulet, raisins secs et ananas et petits légumes croquants. Et on a notre plat complet. Vous pouvez le servir aussi en tagine, le faire avec des crevettes. Vous pouvez mélanger poulet et crevettes. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. D'accord? Le gaufrier étant tombé en panne, j'ai fait ma recette de rosti à la poêle. D'accord? Donc vous faites à la poêle classique. Et ensuite, avec un petit emporte-pièce, juste comme ça, j'ai découpé. Tiens, il a rosti, goûté? Oui. J'ai découpé mes petits galettes de pommes de terre et patates douces. Voilà, donc voilà pour la recette. Ok, this is the chicken curry with pineapple and this is the sweet potatoes waffle with curcuma inside and you have all the vegetables inside the mix. Ok, and we have to eat now. Ok, all together we have to eat the thing. Et vous avez vu, vous allez voir que tout est prêt. C'est pas difficile. On peut rajouter comme ça tranquillement juste dessus un petit peu de petits légumes, de notre vierge d'olive. On a mis les ananas, on a fait une super déco. Et voilà pour notre recette, notre dernière recette spéciale confinement. Voilà, donc notre recette spéciale confinement, c'est désormais terminé. Hein. Je voulais tous vous remercier de nous avoir suivis avec Lila Rose, mon épouse et mon fils pour nos recettes spéciales confinement. Je tiens à remercier particulièrement Lila Rose qui a vraiment très bien travaillé avec moi, mon fils qui s'est occupé de la technique. Alors il n'aime pas être filmé, donc il est dans les backstage, hein, ok. Et pour mon épouse bien sûr qui m'a donné l'inspiration pour toutes mes recettes, une grande partie de mes recettes, et sans qui je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc je l'embrasse bien fort, chérie, je t'aime, merci pour tout. Et donc on va filmer ma petite femme juste pour vous montrer, elle va vous remercier aussi. Merci pour nous avoir suivis pour les recettes. On essaiera de refaire d'autres recettes une fois par semaine et on a d'autres projets également. Je ne vous en dis pas plus. Voilà pour aujourd'hui donc notre poulet au curry et nos petits rostis ou nos petites galettes ou vous pouvez appeler ça des petites gaufres de patates douces au curcuma. Tout est désormais prêt, donc vous n'avez plus qu'à déguster avec un petit verre de vin blanc, à boire avec modération bien sûr. Donc nous on s'est vraiment régalé à faire ces recettes avec vous, ça m'a permis d'exercer mon métier différemment et de partager, ça m'a permis d'exercer mon métier différemment et de partager ma passion avec vous, en famille, avec ma fille, mon fils Marc-Antoine, mon épouse Richeline, avec qui elle a fait des belles assiettes, des beaux plats, m'a permis de décorer très très bien mes plats, j'ai appris ça avec elle, elle le fait bien mieux que moi, donc je la remercie particulièrement. Merci à tous, on vous embrasse bien fort, on vous tient au courant, on va vous mettre les recettes aujourd'hui sur Instagram. N'oubliez pas d'aller voir et de vous abonner à ma chaîne YouTube, le lien il est dans mon profil Instagram, vous pouvez trouver mon lien, mallory.chef.sxm, ma chaîne YouTube, où est-ce que je mets toutes les vidéos après 24 heures. Vous pouvez aller voir la vidéo et la revoir encore pour maîtriser tous les gestes et toute la recette sur la chaîne YouTube. Elles ne disparaissent jamais, les vidéos. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On vous embrasse bien fort. Merci pour tout. Parlez de notre chaîne, parlez de notre compte Instagram à plus de monde possible, de manière à ce qu'on soit encore plus nombreux et qu'on puisse faire encore plus de recettes prochainement. C'était les recettes spéciales confinement du chef Mallory, de son épouse Richtine, de Marc-Antoine et Lila Rose. On vous embrasse bien fort. Bon retour dans le monde du travail. Prenez soin de vous et surtout faites attention. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement et donc de nouvelles recettes. Mais bon, je ne vous le souhaite pas, bien entendu. Voilà, Lila Rose, qu'est-ce qu'on dit? Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On vous embrasse. À bientôt.